Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série The Black Farm. Et comme je l'ai promis dans l'épisode précédent les amis, on va simplement se faire un gros chantier d'ensilage tout en noir, j'ai envie de dire, avec des modes encore vraiment sympathiques pour cette vidéo. Des modes qui sont déjà connus, des modes qui sont assez anciens mais qui sont pas trop connus, je crois qu'on n'a pas trouvé en vidéo. Donc les amis, pour commencer, on a tout simplement cette petite Krone ensileuse tout en noir, Big X Black, j'ai envie de dire, juste magnifique. Je l'ai pris à Chenille, on peut la prendre à Roux ou à Chenille, moi je l'ai pris à Chenille tout simplement. La petite Ben Fortuna à côté qu'on ne présente plus, le petit New Holland T6, je crois, il me semble, le T6, oui ça va être le T6. 155 en noir également. Après je vais vous présenter tout ça un peu dans le shop les amis. Hop, et on a le petit Valtra. Oh tu te calmes Maurice. Valtra qui dispose sur le ModHub également. Tous ces modes à part l'ensileuse sont dispo sur le ModHub les amis. Tous les modes, le New Holland est dispo sur le ModHub. Et celui-ci est également dispo sur le ModHub, le Valtra. Avec la benne Aperion qui est dispo sur le ModHub je crois également. Oui c'est ça, dispo sur le ModHub. Par contre j'ai un petit problème, j'ai pas réussi à mettre la ridée l'ensilage. Enfin l'ensileuse ne voulait pas prendre avec la ridée l'ensilage. Donc du coup je dû la laisser comme ça. Bon bref, c'est peut-être un bug qui vient de moi, je n'en sais rien. Tout simplement. Donc, je vais vous montrer au pire vite fait les amis dans le shop à quoi ça ressemble avant d'attaquer. Comme ça ce sera fait. C'est où? Alors New Holland, donc c'est celui-ci. Donc ce mode T6 ici, donc on peut choisir c'est où? Voilà, c'est standard Black Power. Donc moi je les prends Black Power, donc il y a énormément d'options. Donc voilà, c'est un mode qu'on ne présente plus, qui est déjà sorti il y a pas mal de temps, donc je vais pas vous le représenter. Tout simplement. Donc voilà, vous l'avez en 4 cylindres ou en 6 cylindres. J'ai pris le Valtra, donc c'est le S series. Donc là j'ai pris je crois pareil en 350 chevaux, donc j'ai pris en noir, on peut prendre toutes les couleurs, donc c'est plutôt cool. On peut également choisir toute la couleur, enfin les différentes couleurs de jantes, donc c'est plutôt sympathique. Je crois qu'on a lissé à l'intérieur, il me semble. Attendez voir, voilà. Tac, on a lissé à l'intérieur. Voilà, on a lissé à l'intérieur. Bon, lissé, on peut juste ouvrir la porte quoi, et la fenêtre arrière sûrement. On a le poste inversé. Ouais, c'est tout. Enfin bon, bref, c'est déjà... Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Et l'ensileuse, les amis, alors c'est le plus intéressant. Je vous mettrai le lien en description de l'ensileuse. Donc c'est celui-ci, donc Black Beauty, voilà, donc on a la grosse et la petite entre guillemets. Je crois que j'ai pris la plus petite, moi j'ai pas pris la grosse. Donc soit Sni, soit standard, donc voilà, donc après il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt dans les barres de coupe. Où il y a quand même pas mal de choses. Vous avez toutes ces barres de coupe en Black Beauty. Donc là, elles sont jaunes, mais faut savoir qu'elles sont noires quand vous l'achetez. Hein, voilà, elles sont noires. Par exemple, je peux acheter... Merde. Je vais acheter au pire juste ça. On va l'acheter. Ok. Tac. Ah, mais du coup, j'ai rien pour... Attendez, on va faire ça bien. Au pire, on va acheter un tracteur à la con. Pourquoi pas un autre Valtra, enfin, après je vais enlever le mode, ok, tac, hop, on va monter, voilà, et vous voyez, le pick-up est noir, hein, voilà, vous voyez le pick-up est tout en noir, donc c'est vraiment propre, la 3D est vraiment jolie, enfin c'est propre, hein, c'est pas pixelisé, rien, non, c'est vraiment bien fait, donc c'est tout en noir, donc c'est plutôt sympathique. Je mettrai le lien sur la description, il est sorti il y a vraiment pas mal de temps ce mode, mais on l'a pas vraiment vu, donc on est parti les amis pour un petit chantier d'ensilage. Bon honnêtement, on n'a pas de vache, alors là j'espère qu'il va pas me faire de la merde. Non, c'est bon, il me suit. Tu me suis, Maurice? Allez, suis-moi. Suis-moi, mon ami. Hop. Donc là, j'ai mis également encore le follow me. Comme ça, c'est bien pratique. Avec le petit follow me, franchement, il n'y a pas à dire. C'est juste l'idéal. Par contre, est-ce que je peux... On va juste me rapprocher un petit peu. Même à 5,5, voilà. Donc ça, c'est les tracks qui se payent la haie. Vu que la barre de coupe n'est pas très grande. Donc voilà. En plus on est en période entre guillemets d'ensilage, même s'il commence à se terminer maintenant. Ah putain, alors j'espère que ça c'est pas en collision ça au moins. Allez, prions. Oui tu passes. Oui ça passe, c'est bon. Non parce que c'est tellement chiant les collisions et tout. Enfin pff, voilà. C'est vrai que c'est pratique sur cette map parce qu'il y a des tours de champ où il y a de l'herbe, donc on peut rouler tranquille. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, donc je disais oui, l'ensilage les amis, bah ça se termine je pense pour pas mal d'entre vous, pour ceux qui en font, dites-moi un petit peu en commentaire où vous en êtes, mais je pense que voilà, le plus gros de l'ensilage est fait un petit peu partout, mais bon voilà, on reste toujours un petit peu dans un thème, on va dire de saison, avec du maïs, voilà tout simplement, tranquillement, c'est plutôt sympa, voilà, donc vous voyez cette ensileuse est vraiment jolie, hein. Elle est propre, hein, la 3D est... merde, oh putain, la 3D est vraiment propre également. Elle est à chenille et tout, franchement c'est stylé. Là on aurait eu la boue, ça aurait été idéal. Franchement c'est con qu'on n'ait pas la boue là, ça aurait été vraiment stylé d'avoir de la boue avec la chenille et tout. en conditions difficiles, gros ensilage en conditions difficiles, ça aurait été cool. Franchement, ça aurait été sympa, voilà. Ça aurait été sympathique. Donc ça se remplit bien, ça a l'air de... Je pense que la benne est quand même assez grande. Donc au pire, on va la remplir celui-là, on le mettra de côté, puis on prendra le Valtra. Puis on emmènera tout ça, je pense, à un silo. Honnêtement, j'ai pas du tout préparé de silo, tout ça. Enfin voilà, vu qu'on fait pas de vache, voilà, c'était juste question de faire un petit chantier d'ensilage et vous montrer un petit peu ces modes, ces différents modes. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si tous les modes voilà, que je vous présente un petit peu dans cette vidéo, puis en général, vous plaisent. N'hésitez pas à le notifier par un gros pouce bleu et puis en commentaire, ça fait toujours plaisir voilà, de savoir un petit peu vos ressentis là-dessus. Mais en général, je pense que mes modes vous plaisent. Bon, c'est pas mes modes, hein, mais je veux dire, les modes que je vous présente vous plaisent. Hein, donc c'est plutôt cool, voilà, ça fait toujours plaisir. On va faire un petit peu de l'intérieur, tiens, même si on voit pas grand chose. Mais bon, voilà. Ah mais c'est une petite dame au volant, mais ça rigole plus là, les gars. Ça rigole plus, même si je sais pas si vous avez vu sur YouTube, je trouve, voilà, il y a toutes les vidéos d'ensilage qu'on a vues ces temps-ci qui étaient sorties. Il y a énormément de vidéos d'ensilage, voilà, 2017 on va dire. Et je trouve qu'il y a vraiment pas mal de filles, enfin, j'ai eu beaucoup de vidéos avec des filles qui conduisaient et tout, donc c'était vraiment cool. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on voyait pas trop forcément avant, mais maintenant c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de filles qui s'y mettent et voilà, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir, comme à farming, je veux dire, il y a des filles qui jouent également à farming et voilà quoi, ça fait plaisir quoi, de voir que c'est pas un milieu que masculin maintenant. Et, oh putain, alors lui, ah ouais alors là, attends, bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va te rapprocher encore un peu, voilà. Donc ça, là, ça devrait aller. Là, tu vas pas te payer la barrière, je pense pas. Je pense que ça va le faire, voilà. Voilà, je sais pas combien on en est, mais on va pouvoir faire, je pense, un tour... Ah non. Eh. Tu viens ou pas? Allez, viens. Oh, putain de barrière de merde. Allez, tu viens ou pas? T'y arrives? Si, il va y arriver. Allez! Oui, tu peux le faire, vas-y, tu vas y arriver, allez, voilà, comme un grand. Voilà, il est vraiment prêt, mais c'est pas plus mal, comme ça au moins il n'y aura pas de soucis, hop, allez, tranquillou, on avance. Donc je pense que le prochain épisode, les amis, on va se faire un petit chantier de semis, voilà, parce qu'on va bientôt s'approcher des semis de blé. Pourquoi se faire un petit chantier de semis, voilà, avec encore des modes en noir, enfin, du moins pour le tracteur, pour le semoir, j'ai pas eu tout regardé, mais voilà, je pense qu'il y a moyen de se faire quelque chose de pas mal encore. J'ai déjà le tracteur en tête qu'on va utiliser, pour le semoir, j'ai pas eu tout regardé, mais bon, on verra ce qu'il y a, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a, donc au pire, on va, bon, c'est pas très IRL entre guillemets de faire ça, mais bon, c'est pas bien grave, on va attaquer comme ça. Voilà. Putain, mais elle est énorme la capacité de la Fortuna, je me rappelle plus qu'elle était aussi grosse. Ça c'était une... Je me rappelle quand cette benne était sortie, elle était sortie il y a déjà... c'était une des premières bennes qu'on avait sur le ModHub, hein, je me rappelle. Et j'étais vraiment comme un fou d'avoir cette benne. À l'époque, on savait pas trop ce qu'il allait avoir comme mode également sur le ModHub. On se demandait un petit peu s'il allait avoir beaucoup de modes. Bon, maintenant on sait qu'il y a quand même pas mal de modes. Et quand cette benne était sortie, j'étais vraiment content d'avoir une benne comme ça. Ah, on est plein. Hop, on va... switcher dans le... Voilà. Hop, on va enlever Follow Me. Lui, au pire, on va le reculer là. Comme ça, ça tombe bien. On est juste à l'entrée du champ. On va l'enquiller par là. Ouais, il y a 33 000 litres quand même. La même... Ouais, on va pas foncer dans le... Hop, on va le laisser ici. Tac, on va le couper. On va descendre. Non, tu as pas envie. Oui, voilà. Et on va prendre le petit Valtra, voilà, qui est vraiment sympathique également. Bah, tu démarres? Ah, voilà. Donc c'est vraiment en mode vraiment sympa, je l'ai pris en roulage et tout, il est vraiment de la gueule. Alors on va essayer de remettre... Ah non, j'ai de l'ensilage, je ne pourrais pas changer les ridelles. Merde, bon bah tant pis. Non, faut que je me mette en derrière pour follow me, c'est mieux. Oh là, Jérémy, tu fais de la merde. Oh là là, tu recules comme un pied. Tu recules comme un pied. C'est honteux. Contrôle F, voilà, donc il va se placer tranquillement à côté. Bah, c'est bien, j'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Hop. Ah, tu veux pas. Donc tu n'as pas envie. Pourquoi tu n'as pas envie? Hein? What? Je l'ai réessayé, putain, ça marchait. Ah! Alors attendez. Attendez. Comment? Putain, ça c'est vraiment casse-couille, hein, mais pourquoi? Je vais pas me prendre de... Oh, puis là, je fais de la merde. Je fais de la merde. Pourquoi tu veux pas me prendre de l'ensilage, toi? Alors j'ai peut-être. Je crois qu'il fallait que j'avance la benne plus loin. Là, et je pense que là ça a marché. Non, il n'y a pas une histoire comme ça. Ah, ça y est. Ah, mais le problème. Alors attendez, est-ce que. Alors c'est encore laborieux encore une fois, hein, je suis désolé. Faut que je remette le follow me. Alors est-ce que ça a marché? Voilà. Ah, ça marche. Ça marche. Bah, voyons, vieux. Hein? Non, ça ne marche plus. Non. Non, mais pourquoi tu me fais ça? Mais non. Les abonnés vont m'engueuler. Ah putain, mais pourquoi ça marche pas ça? Vous voyez les amis que c'est pas de ma faute là pour le coup. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Ça me saoule. Ah putain, fait chier. Alors faut peut-être rester derrière. Ah bah là ça. D'accord. On va peut-être rester derrière comme ça, on va voir. On va voir ce que ça fait si je me mets comme ça. Non mais j'ai mis le... Ah, ah mais j'ai mis le follow me comme ça. Non mais qu'est-ce que... Alors j'ai mis le follow me pour... Pourquoi... Un employé utilise déjà ce véhicule? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, c'est que j'appuie sur... Ah oui, d'accord, c'est que j'avais appuyé sur l'ouvrier. Wow. Est-ce que ça a marché? Et non, ça ne marche pas. Bon, les amis, comment vous dire? Oh, putain... Ah bah d'accord, ça m'a remis l'ouvrier en fait. Bon bah écoutez, on va... Non bah non mais... Non mais c'est une blague. Eh ben... Je sais pas... T'as de la marge là quand même, non? T'as quand même de la place pour avancer. Bon, les amis, alors je ne sais pas si c'est un bug qui vient de l'ensileuse ou du tracteur ou de la benne. Enfin, je pense que c'est plus de la benne. Mais ce qu'on va faire, les amis, bon, lui, on va le laisser tourner. Ce qu'on va faire, bon, désolé, on va couper comme ça. On va tout simplement aller vider au moins la Fortuna, mais on va mettre, on va prendre de Valtra comme ça, on aura l'utiliser. Alors, je pense que ça vient, c'est peut-être sûrement un bug de la benne. Je pense pas que ce soit de l'ensileuse parce que voilà, ça marchait bien avant. Écoutez, tant pis, hein, j'ai envie de dire. On va faire ça tranquillement, voilà, on peut pas se prendre la tête. Je suis désolé pour ce petit, voilà, pour ce petit bug, mais c'est pas trop de ma faute. Bon, encore désolé pour ça, fermez les yeux, hop, vous avez rien vu. Hop, on va tout simplement mettre le follow me, puis on va ramener le tracteur, les deux tracteurs, pourquoi pas vers le silo des vaches, comme ça, merde. Tac. Voilà, hop, on va démarrer ça. Hop. Non, je vais te décaler normal. Voilà, s'il te plaît. Distance 25, impeccable. Hop. Voilà, normalement ça devrait le faire. Bon, désolé, voilà, on n'aura pas rempli cette benne là. Mais bon, déjà, là, il y avait un bug au début. Dans le sens où j'arrivais pas à mettre les ridelles. Dans ce là, je voulais pas être pris avec les ridelles. Enfin, bon, bref. Je sais pas si c'est un bug qui va. Pourtant, le mode est dispo sur le ModHub. Alors, attendez, il faut que je mette la carte. Parce que là, je sais plus où on est. On va peut-être repartir par là. Est-ce qu'on tourne? Oui, ça a l'air de tourner. Hop. Mettre les petits gyrophares. Et on est reparti. Ouais, donc désolé les amis pour ce petit bug. Je pense pas que ça vienne de l'ensileuse. J'ai pas eu de soucis avec l'ensileuse sur l'autre benne. Je sais pas. Je vous mettrai sans le lien de l'ensileuse si vous voulez la tester. Et puis après, si vous voulez la tester, dites-le-moi en commentaire si ça vient de moi ou pas. Si ça vient de la benne, si ça vient de. Ouais, là pour le coup, je vois pas trop. Je ne vois pas trop. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Hein. On va faire 100. J'aurais pu vider ça. Non, on va vider ça quand même au silo des vaches. Je trouve que ça fera un petit peu de route avec ce Valtra. Voilà. Oh putain, merde, on roule à gauche. On roule à gauche ici, c'est vrai. Wow. La boulette, la boulette, la boulette. Hop. Allez, on va redescendre tranquillement. Je vais juste regarder sur la carte. Tac, 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 tac. Donc là, je vais descendre. Je vais tourner à gauche. Ok. Ok, ok. Oh non, dis-moi pas que l'autre est bloqué. Non mais j'ai l'autre qui est bloqué par un... Dis-moi pas que l'autre est bloqué par... J'ai envie de pleurer les amis, j'ai envie de pleurer. Rien ne se passe comme prévu dans cette vidéo là. C'est ça qui fait le charme, j'ai envie de dire, de cette vidéo. Voilà, enfin le charme de la chaîne en général. Hein, parce que c'est souvent qu'il y a des petits couacs comme ça. Ouais, mais bon après voilà, on est là pour... On n'est pas là pour prendre la tête. Autant au début... Je serais pris la tête, j'ai dit non, non, putain, il y a des fois j'ai retourné des vidéos pour des conneries comme ça. Ça m'est arrivé au tout début de retourner mes vidéos parce que voilà, il y a eu des soucis comme ça. Moi j'aimais bien que ce soit tout carré et tout. Mais voilà, je me rends compte qu'au final, enfin voilà, je me suis rendu compte que c'était encore même plus sympa comme ça avec des petits couacs, sinon c'est pas marrant quoi. Hop. Hop, allez, on est parti. Donc là ça devrait aller. Mais bon, c'est de ma faute, en même temps je roulais à droite alors qu'il fallait rouler à gauche. Enfin bon, bref, c'était tout un merdier. Hop, oula. Oh, putain, dis donc. J'ai rien compris là. J'ai rien compris du tout. Mais vraiment, c'est vraiment joli ce petit Valtra. Enfin, ce gros Valtra, il est quand même juste énorme. J'ai vu un Valtra comme ça. Alors, je sais plus si c'était cette même série, je sais rien. Après, je suis pas spécialiste des Valtra. Mais il faisait plus de 300. De faire 360 chevaux, je crois. J'ai vu ça en démonstration il y a quoi, il y a une semaine. Où il faisait du broyage de bois. Enfin, il faisait du copeau de bois avec un gros broyeur. Et il y avait pas mal de débris, enfin tout ça, même des gros morceaux de bois, des grosses billes de bois qui passaient dans le broyeur et tout. C'était un Valtra comme ça qui était devant. Et c'était assez impressionnant à voir, je n'avais jamais vu et c'était plutôt sympa. Et c'était le même Valtra, ça devait être dans ces puissances-là. Sûrement la même série, je sais pas. Après je connais pas trop les numéros donc je peux pas trop vous dire. Donc les petits silos d'ensilage sont là, bah écoutez, lui on va le laisser là hein, parce qu'il est pas mal ici, j'ai envie de dire. Là, elle continue de tourner, tout va bien. Hop, tac, voilà. Et on va vider ça. Bah ici tranquillement, question de se faire ça jusqu'au bout. Hop. Voilà. Tranquillement, on recule. Allez, allez, recule, recule mon petit. Ouais, le silo d'ensilage est juste énorme encore là, donc ouais, donc bon, il est ça ici. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez les amis, voilà, cette petite vidéo va être terminée. Désolé pour le petit couac avec la benne et le Valtra. Voilà, je sais pas d'où ça vient. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez eu ce même souci. Je serais curieux de savoir d'où vient ce problème-là. Si ça vient du mode, si ça vient du tracteur, de l'ensileuse, de la benne, j'en sais rien. Honnêtement, les amis, je n'en sais rien. N'hésitez pas à me dire tout ça. Bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre aussi un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Bien sûr, bientôt les 10 000 abonnés. Enfin, je pense pas qu'on les ait dépassés à l'heure où la vidéo sortira. Je tourne la vidéo un petit peu en avance, mais je pense pas qu'on les ait dépassés, mais ça ne saurait tarder. Tout simplement, bah, encore merci pour tout. Et puis voilà, tout simplement, bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Pensez bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!